est doux et agréable pour des frères et des sœurs, amen, aussi, de demeurer ensemble. Alléluia. Et merveilleux toujours quand le peuple de Dieu nous rassemblait, réunis comme un seul homme uni, levé comme un seul homme, et tout ça, frères et sœurs, pour donner la gloire à Jésus. Bienvenue dans nos réunions ce matin, et nous finissons aussi, Hélène, moment béni, dans nos premiers cultes qui nous tiennent un peu plus tôt. Le Seigneur nous fit parler avec nous, et certainement Dieu est là pour lui parler encore. Vous pouvez vite jeter, et pour l'ouvrir de la Bible, laisse-moi aussi saluer tous ceux qui peuvent suivre nous online. Le Seigneur les bénisse autres ainsi que notre famille. Alors tout de suite, frères et sœurs, le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, le verset 8. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 8 et le verset 9. Ésaïe, chapitre 55, le verset 8 et le verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous prions. Père, nous bénis-toi ce matin pour cette parole. Seigneur, ta parole est vivante et ta parole est efficace. Ta parole fut annoncée dès le commencement des temps. Nous remercions-toi, Seigneur, que ta parole est esprit et vie. Ce matin, parle à ton peuple. Que cette parole, Seigneur, est pour pénétrer notre cœur. Et cette parole nous permet nous à grandir. Donne-nous la vie avec toi, Seigneur. Et cette parole encore, libre avec nous pour trouver ma réponse à la prière, ma résultat, et reste toujours dans ce plan merveilleux qui tu es là. Ce matin, Père, nous dire parle, quand nous, tous enfants, nous pouvons écouter. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par le Saint-Esprit qui nous priait dans le nom de Jésus. Et le peuple ensemble, nous comment dire Amen. Quand nous comment dire une meilleure Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, nous pouvons dire, depuis le commencement jusqu'à la fin, nous trouvons grandeur, nous bon Dieu. Alléluia. Vous croyez que c'est quelque chose qui nous tout le temps dit dans nous la, et dans nos conversations, dans nous la prière, et dans nos exhortations, nous finissons de dire, frères et sœurs, qui nous bon Dieu, il y a un grand bon Dieu. Alléluia. Ce verset que nous finissons dans le livre d'Ésaïe, il parle nous de la grandeur de nous, bon Dieu. Alléluia. Il dit à nous comme cela, nous penser, les pas et la pensée de Dieu. Nos voix ne sont pas ses voix. Pareil, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les voix de Dieu, les pensées de Dieu, frères et sœurs, y est élevé au-dessus de nos voix, au-dessus de nos pensées. Amen. Vous montrez autres ce matin, frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes sur la terre. Quand nous lèvons la tête là-haut, nous trouvons le ciel. Enfin, nous penser, si pas le ciel lit quelques distances, mais laissez-moi les autres qui le ciel est bien haut. Et la Bible fait nous comprendre ce matin que la façon qu'il nous pensait, ce n'est pas la façon que Dieu lui pensait. Nos voix ne sont pas ses voix. Autant qu'il est ciel, il est élevé au-dessus de la terre. Et la même distance, autant qu'il est ciel, il est élevé, autant les voix de Dieu, les pensées de Dieu, il est élevé au-dessus de nous, frères et sœurs. Alléluia. Pour dire aux autres ce matin, qui laisse-nous rester ouverts à la pensée et aux voix de Dieu dans nous la vie. Laisse-nous dire Amen. Quand nous pécons les voix de Dieu, frères et sœurs, nous pécons the ways of God, comment est la traduction anglaise pour dire, quand nous pécons les voix de Dieu, nous pécons la façon, nous pécons les moyens, nous pécons le plan, le dessein que Dieu est là pour chacun d'entre nous, la manière
que Dieu lui travaille dans nous la vie. La façon que Dieu lui travaille dans mon la vie n'est pas pareil comme la façon que Dieu travaille dans la vie de mon frère. La façon que Dieu travaille dans où la vie n'est pas pareil comme la façon que Dieu lui travaille dans la vie des autres. Autant que le ciel est élevé, autant mon Dieu se voit élevé. C'est pour cela la Bible dit nous encore, Dieu lui toujours faire infiniment au-delà de tout ce qui nous peut demander, de tout ce qui nous pensait. Pendant que je dis amen. À cause ça même aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, parfois, nous ne pas trop quelque chose arriver dans nous la vie, dans nos façons. Nous ne pas trop quelque chose arriver dans nous la vie, dans nos manières. Nous ne pas trop quelque chose arriver dans nous la vie, dans et la façon qui nous trouve les périls dans la vie des autres. Mon Philippe vous dire ce matin, laisse-nous compère. Laisse-nous rester ouverts à la façon que Dieu, à la manière, amen, que Dieu les travaille dans nous la vie. Amen, alléluia. La Bible dit à nous, nous finissons dit, amen, ses voix sont élevées au-dessus de nos voix, ses pensées au-dessus de nos pensées. Reconnaissons-nous l'homme, parfois de la même façon, et nous penser. Un projet, un événement, nous finissons par penser comment ça peut être, un invité pour venir, pour être ceci, pour être cela, après nous pour terminer. Mais quand il arrive à la fin de la journée, quand nous guettons nos événements, quand nous guettons nos programmes, quand nous guettons nos projets, avec mon premier phrase qui vont dire, avec sa bon Dieu qui grand là, nous arrivons à trouver qui bon Dieu dit tous les temps et claque sur la gloire. Pas tant que je dis amen. Alléluia, des capables de projets de construction, des capables de marier aux enfants, des capables de commencer une entreprise, des capables de faire un voyage. On finit par penser comment cela allait vous faire. Mais à la fin de la journée, Dieu se pensait, il est élevé, et mon Dieu est toujours éclaté sous la gloire. C'est pour cela ce matin, laisse-nous retrouver à la façon que Dieu nous peut travailler dans nous la vie. Qui faire cela? Qui faire cela? C'est parce que la Bible fait nous comprendre quelque chose. Un attribut de Dieu qui nous besoin de comprendre ce matin, c'est que Dieu lit omniscient. Nous dire omniscient. Omniscient veut dire, le mot omni veut dire tout. Le mot scient, l'hymne de sa mot science, qui veut dire connaissance. On peut lire dans la Bible, surtout dans les livres de Proverbes, beaucoup d'efforts de plutôt sa mot science. Science. Il veut dire connaissance. Il veut dire bon Dieu dit omniscient. Il veut dire bon Dieu, il y en a tout. Le peut suivre. Il y en a tout. Connaissance. Alléluia. Dieu lui connaît tout. Alléluia. Il connaît nous passé. Il connaît nous la vie présente. Et Dieu lui-même connaît nous futur. Alléluia. Des fois, nous vexer, des fois nous frustrer dans la manière qui nous trouve la vie était. Parfois, quand nous guettons le prochain, nous trouvons peut-être notre là. Et comment mon Dieu me travaille dans son arrière comme ça? Mais qui peut arriver moi? Ce matin, mon venu pour dire toi, ce matin, Dieu lit omniscient, lit là toute la connaissance. Dieu lit que tout nous la vie. Alléluia. La Bible dit à nous, si nous les guérons, il condamne nous. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 20. Dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 3. La Bible dit à nous, ne parlez plus autant de hauteur, avec autant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, comme l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nous dire amen. Le bon Dieu, c'est un bon Dieu qui compte tout. Parfois, quand nous t'allons causer, amen, des causes avec un hauteur, des causes avec une grande arrogance, il oublie qui nous donne la terre, qui bon Dieu, son pensée, il est élevé au-dessus de nos pensées, qui bon Dieu, la façon qu'il y travaille, il est élevé au-dessus de nos voix. C'est pour cela la Bible à nous, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Pas tant je dis amen. Alléluia, l'icône tout, sa grand bon Dieu là, c'est pour cela frères et sœurs, alléluia, amen. Et il y a une raison, parfois, qui fait, il y a un retard dans nos vies, qui fait la réponse à nous, la prière éternelle, qui fait parfois nous trouve nous, quelque part dans notre situation, c'est qui,
bon Dieu, il peut, comment en anglais pour dire, il peut work in ways we cannot see. Il peut travailler dans notre chemin qui ne nous pas trouver, mais nous croire et nous rester ouverts à la façon qu'il peut opérer. Parce qu'il nous connaît Dieu, il peut toujours éclater sur la gloire dans la vie. Quand nous guettons cet homme de la Bible, Joseph, Joseph de l'Ancien Testament, c'est un moment, il gagne une chose. Il trouve ses 11 étoiles, la lune et le soleil, il prosterne devant lui. Et il comprend avec son mal frère qu'il y en a, qui peut être beau jour, et Dieu lui peut élever. Alléluia. Mais quand nous guettons Joseph, frères et sœurs, aujourd'hui il gagne ce songe, aujourd'hui il gagne sa règle-là, mais il n'y a pas trouvé demain, et maintenant il prosterne devant lui. Au contraire, il trouve comment maintenant il maltraite lui, il jette lui, et dans le puits, il va venir avec Mansmaïlite, il finit troulé dans la prison, il finit tout un parcours, il finit tout un traversé, jusqu'à ce qu'il arrive à ce moment pour trouver sa rêve-là réalisée. Reste ouvert à la façon que Dieu peut travailler dans ton vie. Amen. C'est pour cela, il est mauvais en tant qu'enfant de Dieu pour nous comprendre avec les autres. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour ce que Dieu peut faire dans la vie de ton frère, dans la vie de mon frère, et dans la vie, et dans mon avis, ce que mon Dieu peut faire, moi aussi donner la gloire. Amen. Alléluia. Joseph, il finit tout être traversé, frères et sœurs. Il finit descendre dans le puits, il finit être vendu dans la prison, et il finit connaître toute la vie, jusqu'à arriver le moment de son avis. Il trouve sa promesse là, il trouve sa rêve là, réalisée. Nos voix ne sont pas ses voix. Quand nous guettons le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, parle dans et la terre promise. Ben, étudiant de la Bible pour dire nous comme cela, 3 semaines à 1 mois, c'était le temps, la durée de sa voyage-là pour entrer dans la terre promise. Mais quand on regarde la Bible, Amen, on arrive à trouver que le peuple d'Israël se fit marcher pendant 40 bananes. C'était un parcours d'un mois. C'était un parcours qui t'y peut. Mais qu'arrivé, nos voix ne sont pas ses voix. Patan, je dis Amen. Parfois nous frustrer. Qui fait le Seigneur? Qui fait? Alléluia. Et le travail que Dieu puisse faire dans la vie. Alléluia. Et le travail, il faut vraiment croire de tout mon cœur. Même si l'église, pour le moment, finit fermée dans le pays. Et s'il finit réouvert avec le nombre de 50, il faut vraiment croire de tout mon cœur que Dieu est un plan de ce qu'il peut faire. Amen. Pas qu'un jour, dis Amen. Et moi, je crois dans ce moment-là, permettez-moi d'y aller. Alléluia. Je peux prier avec ça. Dieu, dans ce moment-là, quoi qu'il peut faire, il peut discipliner nous. Ce n'est pas le diamètre. Alléluia. Bon Dieu peut discipliner nous. Alléluia. Amen. Bon Dieu peut enseigner nous. Qu'appelle qu'on vienne à l'heure dans sa présence. Qu'appelle qu'on reste une heure temps dans sa présence. Qu'appelle même nous sommes 3 cantiques, mais sur la gloire capable de ça. Même avec 20 minutes de prédication, le message capable de pénétrer le cœur. Lève-vous la main, nous dire alléluia. Est-ce que nous la même souvent? Frères et sœurs, je viens marcher pendant 40 ans. Dieu tient un plan. Reste ouvert à la façon que Dieu peut opérer dans la vie. Quand nous regardons cet aveugle du Nouveau Testament, l'évangile selon Jean, un disciple, chapitre 9, un disciple peut interroger Jésus. Qu'est-ce qu'il y a qui me péché là? Son famille qui me péché, son parent, bien lui qui me péché pour qu'il y finisse nerveux. Jésus finit répondre tout. Là, Jésus, comment fait une procès pour guérir cet homme? La Bible dit comme cela, il fait une crache à terre, il fait faire de la boue avec son salive, il fait appliquer ça dans l'isier ici là. Il dit, allez, lave ton lisier dans le réservoir de Siloé. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit nous, en retournant, nous dit retourner, en retournant, il trouve clair. Alléluia. C'est pour cela qu'il est toujours important pour nous retourner à la maison de Dieu. Amen. Amen. Parfois, c'est en retournant qu'il nous possède nos miracles. Alléluia. Amen. Des fois, c'est en retournant qu'il nous recevra nos guérisons. Des fois, c'est en retournant qu'il nous possède, nous
possession. Pas dans le diable. Ah, cet homme, il n'est pas de raison contre Jésus, il n'est pas capable d'y aller. Si tu nous aujourd'hui, peut-être que tu dis, Seigneur, les autres te imposent la main, les autres te chassent à l'esprit avec les morts, mais qui arrive toi? Qui fait de nous être grâce à terre? Qui compote te faire? Qui médicament ça? Qui vaccin ça? Qui pilule ça? Qui la crème ça? Qui te besoin faire? Qui te besoin faire la preuve de salive? Applique ça. Nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas. J'ai dit le message qui était, c'est reste ouvert à la façon que Dieu y opère dans de la vie. Ah frère, pas connu, le temps a fini, il est fini gagné. Nos voix ne sont pas ses voix. Alléluia. Dieu peut travailler ta patience. Bon Dieu peut travailler ton caractère. Bon Dieu peut travailler ta vie. À la fin de la journée, bon Dieu ne réclame sur la gloire. Lazare, malade, Jésus a un message. Lazare malade. Est-ce que vous mettez dans le contexte? Jésus se porte à faire ting ting. Moi, mon corps, Pierre, on vit guetter. Qu'est-ce que ça va faire avec ton message là? Quand il guettait, il trouvait Lazare malade. Et Jésus, tu comptes Lazare. La Bible dit, tu comptes Lazare. Il trouve Lazare malade. Ma disciple, à l'époque, je l'ai emballé. Je l'ai fini, comment dire, Christ, jacket, l'eau. Je commence Christ partout. Puis, je commence à emballer pour aller. Marie, Lazare, tu comptes en ligne. Dans le sauvancier, il est malade. La Bible dit comme cela, Jésus dit, laisse-moi attendre des jours là. Alléluia. Je l'attends des jours dans sa vie que Dieu t'a dit. Et après des jours, Jésus dit, laisse-moi aller. Malgré Lazare. Mon frère, ma soeur, nos voix ne sont pas ses voix. Mais quand nous avons tous ça va d'exemple qui vont de nous ce matin, ce qui est très important, vous savez m'appeler, c'est the end result. C'est résultat de la fin. Dis-moi, rie-toi, Jésus attend la fin. Dis-moi, cause-toi, Jésus comme ça, laisse-nous le résultat final. Mon frère, ma soeur, nos voix ne sont pas ses voix. Autant qu'il est ciel, il est élevé au-dessus de la terre. Autant les voix de Dieu, il est élevé au-dessus de nos voix, de nos pensées. Alléluia. Enfin, nous, la façon qu'il devait penser, nous pas trop s'arriver, mais quand nous gagnons le résultat, nous trouvons Dieu éclate sous la gloire. Pas dans toi, dis amen. Ces derniers temps, nous avons l'occasion de célébrer ma mariage. Waouh, vous voulez arriver pour terminer. Quand nous gagnons sa mariage, qu'il fait célébrer, frères et sœurs, ma jeune qui fait marier, je veux dire, je l'ai accepté pour marier avec 50 personnes, je veux dire, et là, finalement, c'est qui, frère, c'est qui est important de me marier devant Dieu. Nos voix ne sont pas ses voix. Peut-être qu'ils connaissent une plan pour Ena et 5000 du monde dans un mariage. Mais quand on dit qu'il y a de la vie, il fait se marier dans cet état-là. Il dit avec 50 du monde même, pas de problème. Ce qui est important, c'est de être des hommes, de marier devant Dieu, de dire ça, lui là, devant moi. Et ce qui est important, ton mariage, il y a un mariage. Lève la main, nous dire Alléluia. Laisse-nous parler avec nous autres trois qui sont ce qui est important concernant les voix de Dieu. Dans Psaume chapitre 18, le verset 30, la Bible nous dit nous, les voix de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Dis-nous, les voix de Dieu sont parfaites. Nous dire parfait. Alléluia. Quand nous causons parfait, frères et sœurs, nous causons peine à aucun erreur. Quand nous causons parfait, nous causons peine à aucun faute là-dedans. Les voies de Dieu sont parfaites. Quand nous restons ouverts à la façon, au moyen, au plan, au dessein que Dieu les préparait pour nous, les pour parfaits dans le nom de Jésus. Les voeux de la médecine, alléluia. Nous parfois l'homme. Le sérance qui source et derrière et n'a pas faute là-dedans. Mais les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. Et pour cela, quand tu peux prier, dire Seigneur, tu connais ma situation, tu connais mon combat, tu connais mon épreuve. Mais aujourd'hui, me soumets-moi à ta volonté. Me reste ouvert
à la façon qui te peut travailler dans mon la vie. Parce qu'il me connaît qui te façon qui te travaille. Il est parfait. Lève la main et dire alléluia. Quand prime à la fin, les hommes se pour merveiller. Quand nous guettons Lazare, il est ressuscité. Quand nous guettons le peuple d'Israël, la nouvelle génération, je rentre dans la terre promise. Quand nous guettons Joseph, les Djibout, ensemble avec Pharaon, l'homme d'Égypte. Quand nous guettons cet homme aveugle, les filles trop claires. Mon frère, ma soeur, les voies de Dieu, pardon, sont parfaites. Paix n'a aucun erreur, paix n'a aucune faute, paix n'a aucun les doigts pointés. Parce qu'il nous montrait, il est parfait. Amen. Psaume 145, le verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Bon Dieu est juste dans la façon qu'il opérait, dans le chemin qu'il est tracé pour nous. Nous dire amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon Dieu est juste. Mais dire bon Dieu ne pas faire exception de personne. Qu'est-ce que ça veut dire exception de personne? Bon Dieu n'est pas aucune préférence. Non, il compte en nous pareil comme il compte en les autres. Et bon Dieu est juste dans toutes ses voies. Nous pouvons vivre une injustice dans le monde aujourd'hui. Bon Dieu est juste dans toutes ses voies. Alléluia. Il est juste, bon Dieu. Il est juste dans ce qu'il veut faire. Il connaît qui t'a mérité. Il connaît qui t'a besoin. Il connaît qui t'a bien. Et bon Dieu, il toujours éclate sur la gloire dans toute la vie. Il est juste. Osée chapitre 14, le verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Quand les voies de l'Éternel sont droites, les diables juste pour marcher, mais man rebelle pour tomber. Les voies de Dieu n'est pas seulement parfaite, n'est pas seulement juste, mais elle est droite. Nous disons droite. Amen. Ils ont dit quand nous quittons la terre, la corruption finit envahir la terre. Aujourd'hui, parfois, permettez-moi d'y aller, parfois nous sommes capables de trouver les gens qui arrivent à une position, mais quand nous guettons le chemin qu'ils ont fini d'entreprendre, il n'est pas droit, frères et sœurs. C'est pour cela le chemin de Dieu, le parcours, la route de Dieu, les voies de Dieu. Ils allaient nous rebelles pour nous capables marcher là-dedans. Ah, je l'amène, Pas le rebelle pour nous capables marcher. Et pas juste pour marcher. Pas le rebelle pour tomber. Parce qu'il est voie de l'Éternel, pas aucune déviation. Paix dans quelle mauvaise route, mais les droites dans le nom de Jésus. Alors ce matin, pour me terminer, pas reste dans cet état que tu étais. Pas découragé dans ton avis de prière, dans ton attente, mais reste ouvert à la façon que Dieu me travaille dans ton avis. Les voies de l'Éternel sont parfaites, sont justes et sont droites. Alors ce matin, ce qui, mon Dieu, les fait déclarer dans ton avis, il n'est pas complet dans le nom de Jésus.